La préoccupation de la sagesse joue un rôle assez petit dans la littérature contemporaine. La plupart des esprits les plus avancés de notre époque s'arrêtent au chaos. Marguerite Yourcenar. Et passer par-delà pour essayer d'atteindre une certaine sagesse n'est plus, dans l'ordre habituel, une démarche moderne. Ça ne peut pas faire de mal. En ce qui concerne Adrien, sa sagesse est essentiellement humaniste. Dès le début, l'empereur nous dit qu'il se définit par ses actes et que bien qu'il y ait entre ses actes et lui un certain écart, c'est cependant par eux qu'il durera dans la mémoire des hommes. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Ça ne peut pas faire de mal. Cette lettre, commencée pour t'informer des progrès de mon mal, est devenue le délassement d'un homme qui n'a plus l'énergie nécessaire pour s'appliquer longuement aux affaires d'État. La méditation écrite d'un malade qui donne audience à ses souvenirs. J'ai formé le projet de te raconter ma vie. La vérité que j'entends exposer ici n'est pas particulièrement scandaleuse, ou ne l'est qu'au degré où toute vérité fait scandale. Je ne m'attends pas à ce que tes 17 ans y comprennent quelque chose. Je tiens pourtant à t'instruire, à te choquer aussi. Tes précepteurs que j'ai choisis moi-même t'ont donné cette éducation sévère, surveillée, trop protégée peut-être, dont j'espère somme toute un grand bien pour toi-même et pour l'État. Je t'offre ici, comme correctif, un récit dépourvu d'idées préconçues et de principes abstraits, tiré de l'expérience d'un seul homme qui est moi-même. J'ignore à quelle conclusion ce récit m'entraînera. Je compte sur cet examen des faits pour me définir, me juger peut-être, ou tout au moins pour mieux me connaître avant de mourir. C'était un extrait du célèbre roman de Marguerite Yourcenar, Les Mémoires d'Adrien, paru en 1951. À cette époque, la future académicienne a déjà publié plusieurs romans et nouvelles et s'est notamment fait remarquer pour ses traductions de Virginia Woolf ou encore de Henry James. Mais cela fait plus de 25 ans que Marguerite Yourcenar a un projet en tête, écrire les méditations du plus humaniste des empereurs romains, Adrien. Le manuscrit initial, rédigé autour de 1925, avait à l'époque été refusé par plusieurs éditeurs. Marguerite Yourcenar, dépitée, avait alors détruit toutes les ébauches de ce roman. Elle s'y remet donc des années plus tard. Et le manuscrit maudit devient un livre incontournable, au succès international. Elle avouera dans ses carnets de notes « J'étais trop jeune ». Il est des livres qu'on ne doit pas oser avant d'avoir dépassé 40 ans. On risque, avant cet âge, de méconnaître l'existence des grandes frontières naturelles qui séparent l'infinie variété des êtres. J'ai toujours indiqué mon irritation quand on me disait, croyant sans doute me faire plaisir, « Adrien, c'est vous ». Ma première réaction était de m'écrier aussitôt que je n'avais malheureusement pas consolidé la paix du monde, etc. Mais il y a plus grave. Nous devons encore réussir à voir cette personnalité telle qu'elle a été à un moment donné et non pas telle qu'elle flotte en quelque sorte désincarnée dans l'imagination humaine. Avec les mémoires d'Adrien, elle nous offre davantage qu'un simple récit historique. Ce roman est en fait le portrait d'une voix qui va s'éteindre et qui n'a plus rien à perdre. L'amour, la mort, le pouvoir, le bonheur et les regrets. Avec ce roman, on comprend ce qu'un homme a cru être, ce qu'il a voulu être et ce qu'il fut. Commençons à parcourir ses mémoires fictives. Adrien n'a plus que quelques jours à vivre. Il décide d'écrire une lettre à Marc Aurèle, son petit-fils par alliance, qui est en fait le fils adoptif d'Antonin le Pieux, son héritier direct et successeur au trône.
Tout en s'adressant à lui, Adrien tente de définir sa vie, de lui trouver un sens, de la résumer à quelque chose de tangible. Quand je considère ma vie, je suis épouvanté de la trouver informe. L'existence des héros, celle qu'on nous raconte, est simple. Elle va droit au but, comme une flèche. Et la plupart des hommes aiment à résumer leur vie dans une formule, parfois dans une vanterie ou dans une plainte, presque toujours dans une récrimination. Leur mémoire leur fabrique complaisamment une existence explicable et claire. Ma vie a des contours moins fermes. Comme il arrive souvent, c'est ce que je n'ai pas été, peut-être, qui l'a défini avec le plus de justesse. Bon soldat, mais point grand homme de guerre. Amateur d'art, mais point cet artiste que Néron crut être à sa mort. Capable de crimes, mais point chargé de crimes. Il m'arrive de penser que les grands hommes se caractérisent justement par leur position extrême, où leur héroïsme est de se tenir toute la vie. Ils sont nos pôles ou nos antipodes. J'ai occupé toutes les positions extrêmes tour à tour, mais je ne m'y suis pas tenu. La vie m'en a toujours fait glisser. Et cependant, je ne puis pas non plus, comme un laboureur ou un portefeuille vertueux, me vanter d'une existence située au centre. Le paysage de mes jours semble se composer, comme les régions de montagne, de matériaux divers entassés pêle-mêle. J'y rencontre ma nature, déjà composite, formée en partie égale d'instinct et de culture. Ça et là affleurent les granites de l'inévitable, partout les éboulements du hasard. Je m'efforce de reparcourir ma vie pour y trouver un plan, y suivre une veine de plomb ou d'or ou l'écoulement d'une rivière souterraine. Mais ce plan, tout factice, n'est qu'un trompe-l'œil du souvenir. De temps en temps, dans une rencontre, un présage, une suite définie d'événements, je crois reconnaître une fatalité, mais trop de routes ne mènent nulle part. Trop de sommes ne s'additionnent pas. Je perçois bien dans cette diversité, dans ce désordre, la présence d'une personne. Mais sa forme semble presque toujours tracée par la pression des circonstances. Ses traits se brouillent comme une image reflétée sur l'eau. Je ne suis pas de ceux qui disent que leurs actions ne leur ressemblent pas. Il faut bien qu'elles le fassent, puisqu'elles sont ma seule mesure et le seul moyen de me dessiner dans la mémoire des hommes, ou même dans la mienne propre, puisque c'est peut-être l'impossibilité de continuer à s'exprimer et à se modifier par l'action qui constitue la différence entre l'état de mort et celui de vivant. Mais il y a entre moi et ces actes dont je suis fait un hiatus indéfinissable. Et la preuve, c'est que j'éprouve sans cesse le besoin de les peser, de les expliquer, d'en rendre compte à moi-même. Certains travaux qui durèrent peu sont assurément négligeables, mais des occupations qui s'étendirent toute la vie ne signifient pas davantage. Par exemple, il me semble à peine essentiel, au moment où j'écris ceci, d'avoir été empereur. Tantôt ma vie m'apparaît banale, au point de ne pas valoir d'être non seulement écrite, mais même un peu longuement contemplée, nullement plus importante, même à mes propres yeux, que celle du premier venu. Tantôt elle me semble unique, et par là même, sans valeur, inutile. Parce que impossible à réduire à l'expérience du commun des hommes. Rien ne m'explique. Adrien se heurte donc à l'impossibilité de saisir pleinement son existence. Qui est-il vraiment ? Un empereur tout-puissant ? Un homme comme les autres ? Dans l'extrait suivant, le dirigeant, en fin de règne, tente de comprendre ce qui le rapproche ou pas du commun des mortels. Je ne méprise pas les hommes. Si je le faisais, je n'aurais aucun droit ni aucune raison d'essayer de les gouverner. Je les sais vains, ignorant, avide, inquiet, capable de presque tout pour réussir, pour se faire valoir, même à leurs propres yeux,
ou tout simplement pour éviter de souffrir. Je le sais, je suis comme eux, du moins par moments, ou j'aurais pu l'être. Entre autrui et moi, les différences que j'aperçois sont trop négligeables pour compter dans l'addition finale. Je m'efforce donc que mon attitude soit aussi éloignée de la froide supériorité du philosophe que de l'arrogance du César. Les plus opaques des hommes ne sont pas sans lueur. Cet assassin joue proprement de la flûte. Ce contremaître déchirant à coups de fouet le dos des esclaves est peut-être un bon fils. Cet idiot partagerait avec moi son dernier morceau de pain. Et il y en a peu auxquels on ne puisse apprendre convenablement quelque chose. Notre grande erreur est d'essayer d'obtenir de chacun en particulier les vertus qu'il n'a pas et de négliger de cultiver celles qu'il possède. J'ai connu des êtres infiniment plus nobles, plus parfaits que moi-même. J'ai fréquenté bon nombre de héros et même quelques sages. Il n'y a qu'un seul point sur lequel je me sens supérieur au commun des hommes. Je suis tout ensemble plus libre et plus soumis qu'ils n'osent l'être. Presque tous méconnaissent également leur juste liberté et leur vraie servitude. Ils maudissent leur fer. Ils semblent parfois s'en vanter. D'autre part, leur temps s'écoule en vaine licence. Ils ne savent pas se tresser à eux-mêmes, le joug le plus léger. Pour moi, j'ai cherché la liberté plus que la puissance, et la puissance seulement parce que, en partie, elle favorisait la liberté. Ce qui m'intéressait n'était pas une philosophie de l'homme libre, mais une technique. Je voulais trouver la charnière où notre volonté s'articule au destin, où la discipline seconde, au lieu de la freiner, la nature. La vie m'était un cheval dont on épouse les mouvements, mais après l'avoir de son mieux dressé. Tout en somme étant une décision de l'esprit, mais lente, mais insensible, et qui entraîne aussi l'adhésion du corps. Mais c'est encore à la liberté d'acquiescement, la plus ardue de toutes, que je me suis le plus rigoureusement appliqué. Je voulais l'état où j'étais. Je choisissais ce que j'avais, m'obligeant seulement à l'avoir totalement et à le goûter le mieux possible. Les plus mornes travaux s'exécutaient sans peine, pour peu qu'il me plût de m'en éprendre. Dès qu'un objet me répugnait, j'en faisais un sujet d'étude. Je me forçais adroitement à en tirer un motif de joie. En face d'une occurrence imprévue ou quasi désespérée, d'une embuscade ou d'une tempête en mer, toutes les mesures concernant les autres étant prises, je m'appliquais à faire fête au hasard, à jouir de ce qu'il m'apportait d'inattendu, et l'embuscade ou la tempête s'intégrait sans heurts dans mes plans ou dans mes songes. Même au sein de mon pire désastre, j'ai vu le moment où l'épuisement enlevait à celui-ci une part de son horreur, où je le faisais mien en acceptant de l'accepter. Si j'ai jamais à subir la torture, et la maladie va sans doute se charger de m'y soumettre, je ne suis pas sûr d'obtenir longtemps de moi l'impassibilité d'un traséas, mais j'aurai du moins la ressource de me résigner à mes cris. Et c'est de la sorte, avec un mélange de réserve et d'audace, de soumission et de révolte soigneusement concertée, d'exigences extrêmes et de concessions prudentes, que je me suis finalement accepté moi-même. La liberté d'Adrien s'applique dans tous les domaines, notamment artistiques. Adrien est un esthète, un homme qui est profondément persuadé que la beauté existe en ce monde. Amoureux fou du monde hellénique, passionné par les lettres et les arts grecs, il va investir toute son énergie et une bonne partie de sa fortune à ériger plusieurs monuments, allant même jusqu'à créer une ville en Égypte. Voici sa réflexion sur cette notion essentielle de beauté qui définit à elle seule l'idéal d'une société. «
Traitsua quamque voluptas. À chacun sa pente, à chacun aussi son but, son ambition si l'on veut, son goût le plus secret et son plus clair idéal. Le mien était enfermé dans ce mot de beauté, si difficile à définir en dépit de toutes les évidences des sens et des yeux. Je me sentais responsable de la beauté du monde. Je voulais que les villes fussent splendides, aérées, arrosées d'eau claire, peuplées d'êtres humains dont le corps ne fût détérioré ni par les marques de la misère ou de la servitude, ni par l'enflure d'une richesse grossière. Que les écoliers récitassent d'une voix juste des leçons point ineptes, que les femmes au foyer usent dans leurs mouvements une espèce de dignité maternelle, de repos puissant, que les gymnases fussent fréquentés par des jeunes hommes point ignorants des jeux ni des arts, que les vergers portassent les plus beaux fruits et les champs les plus riches moissons. Je voulais que l'immense majesté de la paix romaine s'étendît à tous, insensible et présente comme la musique du ciel en marche. Que le plus humble voyageur pût errer d'un pays, d'un continent à l'autre, sans formalité vexatoire, sans danger, sûr partout d'un minimum de légalité et de culture. Que nos soldats continuassent leur éternelle danse pyrrhique aux frontières. Que tout fonctionnât sans accroc, les ateliers et les temples. Que la mer fût sillonnée de beaux navires et les routes parcourues par de fréquents atlas. Que dans un monde bien en ordre, les philosophes eussent leur place et les danseurs aussi. Cet idéal, modeste en somme, serait assez souvent approché si les hommes mettaient à son service une partie de l'énergie qu'ils dépensent en travaux stupides ou féroces. Une chance heureuse m'a permis de le réaliser partiellement durant ce dernier quart de siècle. Arien de Nicomédie, un des meilleurs esprits de ce temps, aime à me rappeler les beaux vers où le vieux Terpandre a défini en trois mots l'idéal spartiate, le mode de vie parfait dont Lacédémone a rêvé sans jamais l'atteindre. La force, la justice, les muses. La force était à la base, rigueur sans laquelle il n'est pas de beauté, fermeté sans laquelle il n'est pas de justice. La justice était l'équilibre des parties, l'ensemble des proportions harmonieuses que ne doit compromettre aucun excès. Force et justice n'étaient qu'un instrument bien accordé entre les mains des muses. Toute misère, toute brutalité était à interdire comme autant d'insultes au beau corps de l'humanité. Toute iniquité était une fausse note à éviter dans l'harmonie des sphères. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et la nuit, peu à peu, et le temps arrêté, et mon cheval boueux et mon corps fatigué. Et la nuit bleu à bleu, et l'eau d'une fontaine, et quelques cris de haine versés par quelques vieux sur de plus vieilles queues dont le corps sans sommeil. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Il est vrai que parfois, près du soir, les oiseaux ressemblent à des vagues, et les vagues aux oiseaux, et les hommes aux rires, et les rires aux sanglots. Il est vrai que souvent la mer se désenchante, je veux dire en cela qu'elle chante d'autres chants que ceux que la mer chante dans les livres d'enfants. Mais les femmes toujours ne ressemblent
qu'aux femmes, et d'entre elles, les connes ne ressemblent qu'aux connes. Et je ne suis pas bien sûr, comme chante d'un certain, qu'elle soit l'avenir de l'homme. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve, en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait et j'en oublie le nom. Et vous êtes passée, demoiselle inconnue, à deux doigts d'être nue sous le lin qui dansait. Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Peu à peu, le roman s'oriente vers une réflexion très philosophique sur l'existence. Après la beauté, voici une digression sur le bonheur. Les dates se mélangent. Ma mémoire se compose d'une seule fresque où s'entassent les incidents et les voyages de plusieurs saisons. Saison alcyonienne, solstice de mes jours. Loin de surfaire mon bonheur à distance, je dois lutter pour n'en pas affadir l'image. Son souvenir même est maintenant trop fort pour moi. Plus sincère que la plupart des hommes, j'avoue sans embâge les causes secrètes de cette félicité. Ce calme si propice aux travaux et aux disciplines de l'esprit me semble l'un des plus beaux effets de l'amour. Et je m'étonne que ces joies si précaires, si rarement parfaites au cours d'une vie humaine, sous quelques aspects d'ailleurs que nous les ayons cherchées ou reçues, soient considérés avec tant de méfiance par de prétendus sages, qu'ils en redoutent l'accoutumance et l'excès au lieu d'en redouter le manque et la perte, qu'ils passent à tyranniser leur sens un temps mieux employé à régler ou à embellir leur âme. À cette époque, je m'étais à affermir mon bonheur, à le goûter, à le juger aussi, cette intention constante que j'avais toujours donnée au moindre détail de mes actes, et qu'est la volupté elle-même sinon un moment d'attention passionnée du corps. Tout bonheur est un chef-d'œuvre. La moindre erreur le fausse, la moindre hésitation l'altère, la moindre lourdeur le départ, la moindre sottise l'abétit. Le mien n'est responsable en rien de celle de mes imprudences qui plus tard l'ont brisé. Tant que j'ai agi dans son sens, j'ai été sage. Je crois encore qu'il eût été possible à un homme plus sage que moi d'être heureux jusqu'à sa mort. C'est quelque temps plus tard, en Phrygie, sur les confins où la Grèce et l'Asie se mélangent, que j'eus de ce bonheur l'image la plus complète et la plus lucide. Nous campions dans un lieu désert et sauvage, sur l'emplacement de la tombe d'Alcibiade, qui mourut là-bas victime des machinations des satrapes. J'avais fait placer sur ce tombeau négligé depuis des siècles une statue en marbre de Paros, l'effigie de cet homme qui est l'un de ceux que la Grèce a le plus aimé. J'avais aussi donné l'ordre qu'on y célébrât chaque année certains rites commémoratifs. Les habitants du village voisin s'étaient joints aux gens de mon escorte pour la première de ces cérémonies. Un jeune taureau fut sacrifié. Une partie de la chair fut prélevée pour le festin du soir. Il y eut une course de chevaux improvisée dans la plaine, des danses auxquelles le bithynien prit part avec une grâce fougueuse. Un peu plus tard, au bord du dernier feu, rejetant en arrière sa belle gorge robuste, il chanta. « J'aime à m'étendre auprès des morts pour prendre ma mesure. » Ce soir-là, je comparais ma vie à celle du grand jouisseur vieillissant qui tomba percé de flèches à cette place, défendu par un jeune ami et pleuré par une courtisane d'Athènes. Ma jeunesse n'avait pas prétendu au prestige de celle d'Alcibiade. Ma diversité égalait ou surpassait la sienne. J'avais joui tout autant, réfléchi davantage, travaillé beaucoup plus. J'avais comme lui l'étrange bonheur d'être aimé. Alcibiade a tout séduit, même l'histoire. Et cependant, il laisse derrière lui des monceaux de morts athéniens abandonnés dans les carrières de Syracuse, une patrie chancelante
les dieux des carrefours sottement mutilés par ses mains. J'avais gouverné un monde infiniment plus vaste que celui où l'Athénien avait vécu. J'y avais maintenu la paix. Je l'avais gréé comme un beau navire appareillé pour un voyage qui durera des siècles. J'avais lutté de mon mieux pour favoriser le sens du divin dans l'homme, sans pourtant y sacrifier l'humain. Mon bonheur était un paiement. En 123, Adrien fait la connaissance d'Antinous, qui va devenir son favori et son amant. C'est en Bithynie, actuelle Turquie, que l'empereur Adrien rencontre Antinous. À cette époque, Adrien est déjà marié avec Sabine, mais ne la voit que très peu. Il se rend un soir dans les jardins de Nicomédie, où plusieurs amateurs de belles lettres se sont donné rendez-vous pour partager un moment de lecture. Parmi les auditeurs se trouve un jeune homme qui attire l'attention d'Adrien. Ils ne se quitteront plus pendant plusieurs années. Antinous meurt à l'âge de 20 ans, noyé dans le Nil, dans des circonstances mystérieuses. Très affecté par sa mort, Adrien fonde une ville en son honneur en Égypte, Antinoupolis. Antinous était grec. Je retrouvais en lui les superstitions d'un disciple d'Ampolyonus, la foi monarchique d'un sujet oriental du grand roi. Sa présence était extraordinairement silencieuse. Il m'a suivi comme un animal ou comme un génie familier. Il avait d'un jeune chien les capacités infinies d'enjouement et d'indolence, la sauvagerie, la confiance. Ce beau lévrier, avide de caresses et d'ordre, se coucha sur ma vie. J'admirais cette indifférence presque hautaine pour tout ce qui n'était pas son délice ou son culte. Elle lui tenait lieu de désintéressement, de scrupules, de toutes les vertus étudiées et austères. Je m'émerveillais de cette dure douceur, de ce dévouement sombre qui engageait tout l'être. Et pourtant, cette soumission n'était pas aveugle. Ses paupières, si souvent baissées dans l'acquiescement ou dans le songe, se relevaient. Les yeux les plus attentifs du monde me regardaient en face. Je me sentais jugé. Mais je l'étais comme un dieu l'est par son fidèle. Mes duretés, mes accès de méfiance étaient patiemment, gravement acceptés. Je n'ai été maître absolu qu'une seule fois et que d'un seul être. Si je n'ai encore rien dit d'une beauté visible, il n'y faudrait pas voir l'espèce de réticence d'un homme trop complètement conquis. Mais les figures que nous cherchons désespérément nous échappent. Ce n'est jamais qu'un moment. Je retrouve une tête inclinée sous une chevelure nocturne, des yeux que l'allongement des paupières faisait paraître obliques, un jeune visage large et comme couché. Ce tendre corps s'est modifié sans cesse à la façon d'une plante, et quelques-unes de ces altérations sont imputables au temps. L'enfant a changé, a grandi. Il suffisait pour l'amollir d'une semaine d'indolence. Une après-midi de chasse lui rendait sa fermeté, sa vitesse athlétique. Une heure de soleil le faisait passer de la couleur du jasmin à celle du miel. Les jambes un peu lourdes du poulain se sont allongées. La joue a perdu sa délicate rondeur d'enfance, s'est légèrement creusée sous la pommette saillante. Le thorax gonflé d'air du jeune coureur au long stade a pris les courbes lisses et polies d'une gorge de bacchante. La moue boudeuse des lèvres s'est chargée d'amertume ardente, d'une satiété triste. En vérité, ce visage changeait comme si, nuit et jour, je l'avais sculpté. Quand je me retourne vers ces années, je crois y retrouver l'âge d'or. Ma vie, où tout arrivait tard, le pouvoir, le bonheur aussi, acquérait la splendeur de plein midi, l'ensoleillement des heures de la sieste où tout baigne dans une atmosphère d'or, les objets de la chambre et le corps étendu à nos côtés. La passion comblée à son innocence, presque aussi fragile que tout autre, le reste de la beauté humaine passait au rang de spectacle, cessait d'être ce gibier dont j'avais été le chasseur. Cette aventure banalement commencée enrichissait, mais aussi simplifiait ma vie. L'avenir comptait peu.
Je cessai de poser des questions aux oracles. Les étoiles ne furent plus que d'admirables dessins sur la voûte du ciel. Il y a le personnage historique comme Adrien, dont l'homosexualité, si l'on peut dire, parce que je ne sais pas s'il aurait bien compris ce mot-là, il devait l'exprimer autrement, fait partie de son histoire. On ne le voit pas, enfin, on ne peut pas le voir autrement, puisque c'est ainsi qu'il était. Tout de même, faisons remarquer que lorsqu'il s'agit de personnages du passé, par exemple Adrien, qui est un personnage réel, ou Zénon, qui est un personnage imaginaire, et c'est toute une autre affaire, une autre paire de manches, dans les deux cas, nous avons affaire à des personnages qui sont plutôt bisexuels. L'homosexualité considérée de nouveau comme une forme de chauvinisme et de séparation d'avec le reste me semble une attitude de notre temps. On la trouve peut-être quelquefois larvée chez certains personnages du passé. Mais en général, ce qu'on trouve, c'est un homme qui aimait assez la vie ou qui aimait assez l'amour pour aimer un peu tout ce qui lui paraissait intéressant ou beau qu'il rencontrait sur son chemin. Abordons maintenant une autre facette de la personnalité d'Adrien, l'empereur conquérant. Adrien n'a jamais eu l'ambition de grandes conquêtes, mais il a malgré tout conduit plusieurs guerres. L'une d'elles a eu lieu en Judée dans les années 130 et fut particulièrement sanglante. Dans le roman de Yourcenar, Adrien avoue que cette guerre fut l'un de ses échecs. Le voici réfléchissant à son action militaire et à l'avenir de son empire. On me suppose depuis quelques années d'étranges clairvoyances, de sublimes secrets. On se trompe et je ne sais rien. Mais il est vrai que durant ces nuits de Béthard, j'ai vu passer sous mes yeux d'inquiétants fantômes. Je me disais qu'il était bien vain d'espérer pour Athènes et pour Rome cette éternité qui n'est accordée ni aux hommes ni aux choses, et que les plus sages d'entre nous refusent même aux dieux. Ces formes savantes et compliquées de la vie, ces civilisations bien à l'aise dans leur raffinement de l'art et du bonheur, cette liberté de l'esprit qui s'informe et qui juge, dépendaient de chances innombrables et rares, de conditions presque impossibles à réunir et qu'il ne fallait pas s'attendre à voir durer. Nos faibles efforts pour améliorer la condition humaine ne seraient que distraitement continués par nos successeurs. La graine d'erreur et de ruine contenue dans le bien même croîtrait monstrueusement au contraire au cours des siècles. Le monde, là de nous, se chercherait d'autres maîtres. Ce qui nous avait paru sage paraîtrait insipide, abominable ce qui nous avait paru beau. Comme l'initié Mithriaque, la race humaine a peut-être besoin du bain de sang et du passage périodique dans la fosse funèbre. Je voyais revenir les codes farouches, les dieux implacables, le despotisme incontesté des princes barbares, le monde morcelé en état ennemi, éternellement en proie à l'insécurité. D'autres sentinelles menacées par les flèches iraient et viendraient sur le chemin de ronde des cités futures. Le jeu stupide, obscène et cruel allait continuer, et l'espèce, en vieillissant, y ajouterait sans doute de nouveaux raffinements d'horreur. Notre époque, dont je connaissais mieux que personne les insuffisances et les tares, serait peut-être un jour considérée, par contraste, comme un des âges d'or de l'humanité. Natura deficit, fortuna mutatur, deus omnia cernit. La nature nous trahit, la fortune change, un dieu regarde d'en haut toutes ces choses. Je tourmentais à mon doigt le chaton d'une bague sur laquelle, par un jour d'amertume, j'avais fait inciser ces quelques mots tristes. J'allais plus loin dans le désabusement, peut-être dans le blasphème. Je finissais par trouver naturel, sinon juste, que nous dussions périr. Nos lettres s'épuisent. Nos arts s'endorment. Pancratès n'est pas Homère. Arien n'est pas Xénophon. Quand j'ai essayé d'immortaliser dans la pierre la forme d'Antinous, je n'ai pas trouvé de Praxitèle. Nos sciences piétinent depuis Aristote et Archimède. Nos progrès techniques ne résisteraient pas à l'usure d'une longue guerre. Nos voluptueux eux-mêmes se dégoûtent du bonheur. L'adoucissement des mœurs, l'avancement des idées au cours du dernier siècle sont l'œuvre d'une infinie minorité de bons esprits. La masse demeure ignare, féroce quand elle le peut, en tout cas égoïste et bornée. Et il y a fort à parier qu'elle restera toujours telle.
Trop de procurateurs et de publicains avides, trop de sénateurs méfiants, trop de centurions brutaux ont compromis d'avance notre ouvrage. Et le temps pour s'instruire par leurs fautes n'est pas plus donné aux empires qu'aux hommes. Là où un tisserand rapiécerait sa toile, où un calculateur habile corrigerait ses erreurs, où l'artiste retoucherait son chef-d'œuvre encore imparfait ou endommagé à peine, la nature préfère repartir à même l'argile, à même le chaos. Et le gaspillage est ce qu'on nomme l'ordre des choses. Je levai la tête, je bougeai pour me désengourdir. Au haut de la citadelle de Simon, de vagues lueurs rougissaient le ciel, manifestation inexpliquée de la vie nocturne de l'ennemi. Le vent soufflait d'Égypte, une trombe de poussière passait comme un spectre. Les profils écrasés des collines me rappelaient la chaîne arabique sous la lune. Je rentrais lentement, ramenant sur ma bouche un pan de mon manteau, irrité contre moi-même d'avoir consacré à de creuses méditations sur l'avenir une nuit que j'aurais pu employer à préparer la journée du lendemain ou à dormir. L'écroulement de Rome, s'il se produisait, concernerait mes successeurs. En cette année 887 de l'ère romaine, ma tâche consistait à étouffer la révolte en Judée, à ramener d'Orient sans trop de pertes une armée malade. En traversant l'esplanade, je glissais parfois dans le sang d'un rebelle exécuté la veille. Je me couchais tout habillé sur mon lit. 2 heures plus tard, j'étais réveillé par les trompettes de l'aube. Allez, l'ombre du soir descend. Oh, rappelons-nous sans cesse la nuit de la mort vient. Nous plaçons nos vêtements chaque soir sur nos lits. Mais bientôt vient la mort, nous dépouiller de tout. Guillaume Gallienne sur France Inter. Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal. Il y a cette phrase que j'ai notée. Mon corps, ce fidèle compagnon, cet ami plus sûr, mieux connu de moi que mon âme. C'est Adrien qui dit oui, ça. Oui, n'est qu'un monstre sournois. Bien sûr, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai de tous les êtres. Le jour où quelqu'un s'aperçoit qu'il est très malade, il s'aperçoit qu'il vit avec un monstre sournois. De l'amertume à la tentation de la mort. À la fin de sa vie, l'empereur Adrien était très affaibli physiquement. Il souffrait notamment d'arthrose. Voici la version qu'en donne Marguerite Yourcenar. Au-delà de la douleur qui ne le quittait pas, Adrien ne pouvait plus supporter cet affaiblissement du corps qui l'empêchait de vivre comme il l'entendait. Et dans un moment de désespoir, il songe au suicide. J'ai donné jadis au philosophe Euphrates la permission du suicide. Rien ne semblait plus simple. Un homme a droit de décider à partir de quel moment sa vie cesse d'être utile. Je ne savais pas alors que la mort peut devenir l'objet d'une ardeur aveugle, d'une faim comme l'amour. Je n'avais pas prévu ces nuits où j'enroulerais mon baudrier autour de ma dague pour m'obliger à réfléchir à 2 fois avant de m'en servir. On ne guérit jamais. La vieille fièvre m'a terrassé à plusieurs reprises. J'en tremblais d'avance, comme un malade averti d'un prochain accès. Tout m'était bon pour reculer l'heure de la lutte nocturne. Le travail, les conversations follement prolongées jusqu'à l'aube, les baisers, les livres. Il est convenu qu'un empereur ne se suicide que s'il y est acculé par des raisons d'État. Marc-Antoine lui-même avait l'excuse d'une bataille perdue. Je sais ce que c'est
que d'effleurer voluptueusement de la main l'étoupe d'une corde ou le fil d'un couteau. J'avais fini par faire de ma mortelle envie un rempart contre elle-même. La perpétuelle possibilité du suicide m'aidait à supporter moins impatiemment l'existence, tout comme la présence à portée de la main d'une potion sédative calme un homme atteint d'insomnie. Par une intime contradiction, cette obsession de la mort n'a cessé de s'imposer à mon esprit que lorsque les premiers symptômes de la maladie sont venus m'en distraire. J'ai commencé à m'intéresser à cette vie qui me quittait. Dans les jardins de Sidon, j'ai passionnément souhaité jouir de mon corps quelques années de plus. On voulait mourir, on ne voulait pas étouffer. La maladie dégoûte de la mort. On veut guérir, ce qui est une manière de vouloir vivre. Mais la faiblesse, la souffrance, mille misères corporelles découragent bientôt le malade d'essayer de remonter la pente. On ne veut pas de ces répits qui sont autant de pièges, de ces forces chancelantes, de ces ardeurs brisées, de cette perpétuelle attente de la prochaine crise. Je m'épiais. Cette sourde douleur à la poitrine était telle qu'un malaise passager, le résultat d'un repas absorbé trop vite, ou fallait-il s'attendre de la part de l'ennemi à un assaut qui cette fois ne serait pas repoussé ? Je n'entrais pas au Sénat sans me dire que la porte s'était peut-être refermée derrière moi aussi définitivement que si j'avais été attendu, comme César, par 50 conjurés armés de couteaux. Durant les soupers de Tibure, je redoutais de faire à mes invités l'impolitesse d'un soudain départ. J'avais peur de mourir au bain ou dans de jeunes bras. Des fonctions qui jadis étaient faciles ou même agréables deviennent humiliantes depuis qu'elles sont devenues malaisées. On se lasse du vase d'argent offert chaque matin à l'examen du médecin. Les causes de cette obsession de la mort devenaient visibles, avouables. Rien ne me retenait plus. On eut compris que l'empereur, retiré dans sa maison de campagne après avoir mis en ordre les affaires du monde, prit les mesures nécessaires pour faciliter sa fin. Mais la sollicitude de mes amis équivaut à une constante surveillance. Tout malade est un prisonnier. Je ne me sens plus la vigueur qu'il faudrait pour enfoncer la dague à la place exacte, marquée jadis à l'encre rouge sous le sein gauche. Je n'aurais fait qu'ajouter au mal présent un répugnant mélange de bandages, d'éponges sanglantes, de chirurgiens discutant au pied du lit. Il me fallait mettre à préparer mon suicide les mêmes précautions qu'un assassin à monter son coup. La mort me semblait la plus personnelle de mes décisions, mon suprême réduit d'homme libre. Je me trompais. J'ai compris que le suicide paraîtrait au petit groupe d'amis dévoués qui m'entourent une marque d'indifférence, d'ingratitude peut-être. Je ne veux pas laisser à leur amitié cette image grinçante d'un supplicié incapable de supporter une torture de plus. D'autres considérations se sont présentées à moi lentement. L'existence m'a beaucoup donné, ou du moins j'ai su beaucoup obtenir d'elle. En ce moment, comme au temps de mon bonheur, et pour des raisons toutes contraires, il me paraît qu'elle n'a plus rien à m'offrir. Je ne suis pas sûr de n'avoir plus rien à en apprendre. J'écouterai ses instructions secrètes jusqu'au bout. Toute ma vie, j'ai fait confiance à la sagesse de mon corps. J'ai tâché de goûter avec discernement les sensations que me procurait cet ami. Je me dois d'apprécier aussi les dernières. Je ne refuse plus cette agonie faite pour moi, cette faim lentement élaborée au fond de mes artères, héritée peut-être d'un ancêtre, né de mon tempérament, préparée peu à peu par chacun de mes actes au cours de ma vie. L'heure de l'impatience est passée. Au point où j'en suis, le désespoir serait d'aussi mauvais goût que l'espérance. J'ai renoncé à brusquer ma mort. Et voici la dernière page des mémoires d'Adrien. Nous sommes en 138, année de la mort d'Adrien, qui décède à l'âge de 62 ans. Voyant son heure arriver,
Adrien s'entoure de ses fidèles et d'Antonin, son fils adoptif et héritier direct du trône, pour ses dernières heures. Les médicaments n'agissent plus. L'enflure des jambes augmente. Je sommeille assis plutôt que couché. L'un des avantages de la mort sera d'être de nouveau étendu sur un lit. C'est à moi maintenant de consoler Antonin. Je lui rappelle que la mort me semble depuis longtemps la solution la plus élégante de mon propre problème. Comme toujours, mes vœux enfin se réalisent, mais de façon plus lente et plus indirecte qu'on avait cru. Je me félicite que le mal m'ait laissé ma lucidité jusqu'au bout. Je me réjouis de n'avoir pas à faire l'épreuve du grand âge, de n'être pas destiné à connaître ce durcissement, cette rigidité, cette sécheresse, cette atroce absence de désir. Si mes calculs sont justes, ma mère est morte à peu près à l'âge où je suis arrivé aujourd'hui. Ma vie a déjà été de moitié plus longue que celle de mon père, mort à 40 ans. Tout est prêt. L'aigle chargé de porter aux dieux l'âme de l'empereur est tenu en réserve pour la cérémonie funèbre. Mon mausolée, sur le faîte duquel on plante en ce moment les cyprès, destinés à former en plein ciel une pyramide noire, sera terminé à peu près à temps pour le transfert des cendres encore chaudes. Ils m'ont emmené à Baïès. Par ces chaleurs de juillet, le trajet a été pénible, mais je respire mieux au bord de la mer. La vague fait sur le rivage son murmure de soie froissée et de caresses. Je jouis encore de longs soirs roses, mais je ne tiens plus ces tablettes que pour occuper mes mains, qui s'agitent malgré moi. J'ai envoyé chercher Antonin. Un courrier lancé à fond de train est parti pour Rome. Bruit des sabots de Boristen, galop du cavalier Thrace. Le petit groupe des intimes se presse à mon chevet. Chabrias me fait pitié. Les larmes conviennent mal aux rides des vieillards. Le beau visage de Célère est comme toujours étrangement calme. Il s'applique à me soigner sans rien laisser voir d'un malade. Et pourtant, la mince épaule s'agite convulsivement sous les plis de la tunique. Je sens sous mes doigts des pleurs délicieux. Adrien, jusqu'au bout, aura été humainement aimé. Petite âme, âme tendre et flottante, compagne de mon corps, qui fut ton hôte, tu vas descendre dans ces lieux pâles, durs et nus, où tu devras renoncer au jeu d'autrefois. Un instant encore, regardons ensemble les rives familières, les objets que sans doute nous ne reverrons plus. Tâchons d'entrer dans la mort, les yeux ouverts. Le livre a été terminé en 50-51. Mmh. Probablement, je n'aurais certainement pas écrit les mémoires d'Adrien comme je l'ai fait. S'il n'y avait pas... Oui. C'est-à-dire que je me suis rendu compte de l'importance énorme du chef d'État. Et mes premiers essais sur Adrien auraient été fâcheux, parce que je serais, à cette époque-là, tombé dans l'esthétique. J'aurais vu le grand collectionneur, le grand voyageur visitant les sites célèbres. J'aurais vu n'importe quoi. Mais l'amant et tout ça, très bien. Mais je n'aurais pas vu ce qui est tout de même essentiel, le prince. Oui. Je l'ai dit d'ailleurs. Parce que c'est tout de même de ça que tout découle. Quand les gens m'écrivent des lettres dans lesquelles ils me parlent d'Adrien amoureux, oui, très d'accord, très bien. Mais ce n'est intéressant que parce que l'homme amoureux est aussi un homme qui porte le fait d'un monde. Et qu'alors nous assistons à cette espèce d'étrange mélange ou contradiction de la spontanéité, de l'émotion, une émotion qui bouleverse un homme, et en même temps du travail à faire. Ça peut pas faire de mal. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Philippe Palares. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Irène Menahem. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission consacrée à Marguerite Yourcenar, cette fois-ci à son œuvre romanesque mais aussi poétique. Bonne soirée et à la semaine prochaine.